Vous me gênez, monsieur Slan. Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Project Zomboid avec Damned. T'as trouvé une clé? Derrière oui, toi, Damned. Une clé et un zombie. Ah merde, j'ai une tournevis équipé, putain. Bon. Donc salut les gens. Ah oui, salut tout le monde. Et Katox, voilà. Et le signe noir. Et Katox, alors, et le signe noir. Et du coup, la voiture. Bah, je comprends pas. Ça ressemble à une épave, ta truc, hein. Bah après il faut quand même des clés hein, parce que par exemple là si j'essaie de démonter des trucs sur ces voitures là il me dit qu'il faut la mais, clé donc, Bah moi je peux pas y rentrer dans... Alors attends je veux bien mais bah écoute. La clé de la voiture est requise ouais non. Ok tiens attends ouais. Je découvre au passage comment ça marche. Attends comment ça marche ce truc? Faut que tu glisses des et... objets après t'as un petit truc sceller votre offre là. Oh la vache ouais. Tiens débrouille-toi avec ça. C'est toi le mec. Oui oui c'était pour essayer c'était. Mais je pense que la voiture on peut pas rentrer dedans elle est trop défoncée en fait. Allez viens bien. On va continuer à fouiller, on va aller dans les maisons, on va trouver des voitures. On a une chance, l'avantage des maisons, c'est qu'on a une chance de trouver une clé dans la maison. Non, c'était pas la bonne clé. Visiblement. C'est la blanche du coup. Ouais, la blanche, je peux essayer. Bah après. Ah, J'ai essayé aussi, hein, ça marche pas. Hein. Il se passe. 1, 2, 3, 4, 5 zombies. Attendez, je teste vite fait la blanche et je vous rejoins. La clé de la voiture est requise. Non, c'est pas la bonne clé non plus. Donc, il y avait potentiellement une chevalier d'art quelque part. Alors, est-ce que tu m'as bien donné la clé? Ouais, elle est là pourtant. Ah ouais? C'est dur de viser, punaise. Faut dire que mon mec est effrayé. Ouais, ok, bon, d'accord. Sors ton marteau, mec. Qu'est-ce que tu fais? Un truc pour le calmer. Oh, comment il tape, non, mais hyper lentement. Je suis stressé, quoi. Je lis un petit bouquin, vite fait. Ah parce que t'as ce qu'il faut. Moi j'ai une grosse dépression alors si t'as des trucs à lire je suis pas contre. Bah tiens oui. J'ai des bêta bloquants. Vous voulez des livres? Tiens prends des livres. Un journal ici. Corps des zombies qui arrivent au moins 3. Écoute moi je suis pacifiste alors je bouquine hein. On voudrait pas. Ah, je suis passé affolé maintenant. C'est le moment de lire le Dalai Lama. Recule Katox recule. Ok, je suis plus que mélancolique. Reste par terre, toi. Reste par terre. À la fourche, c'est abusé comme c'est chouette. Ouais, j'avoue, ça a l'air cool, ouais. Tiens, je vais prendre un collier de symboling. Peut-être que ça me. On charge des voitures, hein, pas des maisons. Ah. Parce que tout ce qu'on risque de trouver là, c'est des. Ah, il nous faut un peu de bouffe, non? On va trouver ça dans les maisons, non? Dans les maisons, oui, mais d'abord trouver une voiture. Donc le mieux c'est de trouver une maison avec une voiture devant, garée devant. Là il y a une porte ouverte avec des traces de sang donc du coup c'est pas bon signe. Ah, oh les flamants roses sérieux quoi. Est-ce que là il y a une voiture? Non. Oh Kato, ça se passe bien là go, mon go. Ouais, tout va bien. Ça va bien la fourche mon go. Ça fait pas de bien cher. Rien du tout. Ah oui hein. Avec sa vraie là. Hein. Là il y a des... Il y a un jardin potager là. Super. Au cas où. Y'a pas beaucoup de bagnoles hein putain. Mais où sont les bagnoles quoi? Sérieux, y'a pas de bagnoles dans la rue. C'est nouveau ça. Tu connais un endroit où on peut où on arrive à se garer aussi facilement qu'ici? Ouais j'avoue. Oh là là, quel bordel ici. On est parti à droite hein. Ok. Médic. À l'est. Ici, hein. Je suis gratté la tête avec ma fourche. Ah d'accord. Ouais. Alors je veux bien regarder mais Médic. Ah. 3, bouge pas, je te fais 2, ça vite fait. Si... 1. C'est bon. Ce timing. Ah ouais, il était beau hein. Quand tu t'es fait blesser? Non, effectivement, c'est juste quelques. Ouais, avec ça. Ah. Je vais poser une question, il a réfléchi, il a effectivement gratté sa tête. Aucune voiture. Bon, putain, on trouve les autres. J'ai fait tomber mon marteau en me vautrant en sautant la barrière quoi. Alors, ici, il y a un potager. Ouais, il y a un potager. Ouais. Le sink sur ta gauche, ouest. Je sais, mais que veux-tu? Je me vautre comme une merde en traversant, du coup j'ai perdu mon marteau. Et je sais. Ah oui, il y a un potager, mais on peut rien ramasser dedans. Récolter ici, on peut. Ce n'est pas encore le moment de récolter. Ah bah oui, mais. Il y a un barbecue. Il doit y avoir des bouteilles de.
Il y a des carottes qui sont prêtes à récolter. Bah j'ai agriculture si vous voulez, mais pour l'instant je suis barbouillé, donc à mon avis ça sent le poids. Non mais je suis en train de... T'es barbouillé. Moi, il faut arrêter de passer les barrières là, parce que quand on passe les barrières en courant, moi je me vautre, et du coup je me fais... Ah oui. Je perds la moitié de mon inventaire quoi. Ah mince. J'ai un peu de fitness moi. J'ai repris la route hein. Ouais bah du coup j'essaye d'aller dans le... Dans le potager, mais j'ai pas d'armes donc l'un dans l'autre. Et si t'as, si tu veux des armes, pour rejoindre les autres. Vous êtes où alors finalement? Je suis toujours au potager. Au potager. Avec ma foule. Je sais pas trop où il est ce potager. La seule chose qu'on peut ramasser c'est les carottes hein. Le reste c'est pas encore prêt, mais alors... les carottes par contre y'a de quoi faire hein. On pourra se faire de la soupe hein. Oula, c'est pas plein de zombies là qui arrivent? Non. C'est l'engrais. C'est de l'engrais. Faire gaffe de pas marcher sur les plantes parce que sinon voilà. C'est bon, dommage. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? C'est vrai? Normalement, parfois, tu cours sur les plantes ou un truc dans le genre, ça reste dommage. Je crois que les carottes, les tomates sont pas mûres. Hein. Ouais, j'ai gagné un point d'agriculture. Moi, il y a marqué monter en graines. C'est que c'est trop tard en fait pour les récolter. Oui. Bah ouais, mais je peux traiter le problème, moi. Tu vois? Là, les pommes de terre, elles sont montées en graines, mais je peux les récolter quand même. On peut récolter, mais on va récolter des graines, en fait. Non, moi, je récupère des pommes de terre fraîches. Ah, j'ai des tomates fraîches aussi, moi, t'as raison. What. Attends, ah ouais. J'en ai trouvé combien, là? Oh, il y a des choses là-dedans. J'ai trouvé 6 bidons vides, je crois. Oula, paquet de graines de fraises, de radis, non, hachettes, tout ça, c'est, marteau... Ça, c'est tout ce que j'ai déposé, moi. Ah oui, d'accord. Zombie qui arrive. Ah, il manque vraiment un coffre de bagnole. Hein. Je suis beaucoup trop lourd là. Est-ce que je peux poser des pommes de terre et quelqu'un les ramasse? Je suis beaucoup trop lourd. Bah, je suis beaucoup trop lourd aussi en fait. Mais je veux voir Catox, si je peux mettre dans mon cartable. Tu veux pas porter des. Attends, je peux. Je suis en train Faudrait mettre plein de choses là-dedans et on reviendra les prendre quoi. Mais bon. Voilà, moi je mets dans mon cartable, ça va un peu mieux. Non, ça va pas beaucoup. Tu peux toujours déposer par terre. J'ai déposé des pommes de terre dans le potager si vous voulez. Dans le potager. Okay. En même temps, moi je porte toujours le bidon d'essence que quelqu'un d'autre était censé porter. Je te rappelle que j'en porte un aussi, donc je sais pas d'où il vient. Et il est plein. Moi aussi, il est plein. Il faudrait que je mange. Bah, j'ai des tomates, j'ai plein de tomates. Je te remets des pommes de terre. On peut pas faire, avec un crayon, on peut pas faire un repère sur la carte pour savoir où c'est cet endroit. Et si, si t'as un crayon. J'en ai pas, mais peut-être quelqu'un en a un. Non. Je crois que j'en ai un, attends. Juste qu'on repère cet endroit parce qu'on a posé pas mal de petites choses quand même. Ouais, surtout qu'il y a une réserve de bidons d'essence assez fatos. Ouais, je vais ouais en plus, ouais. Donc faut vraiment le noter sur la carte ce truc. Hop, attends. Ça y est, j'ai mangé assez, j'ai plein de tomates, quelqu'un a besoin? Non, pour le moment j'ai très faim, par contre j'ai soif surtout. Bah c'est ça, voilà. T'as pas très faim. Bah on va aller dans la maison pour boire. C'est ce que je suis en train de faire. Je peux ouvrir la porte, mais il y a des zombies de l'autre côté. Mais je vous ouvre la porte quand même. Tendu. Alors, à boire. Ah bah stylo, tiens. Ah bah parfait, on va pouvoir noter parce que moi je sais pas où il est. Nettoyer le bandage. Boire. Alors attends, parce que faut que je regarde comment on fait. Hein. Faut mettre la carte et après ajouter une annotation par exemple. Oui, c'est ça. Mais tu vas choisir la bonne couleur parce que tu peux pas faire l'annotation bleue. Ah oui. Ah bah avec la flotte, on a un peu c'est... humide. Ouais. Pour faire du rouge, il faut le crayon rouge. Pour faire du bleu, il faut le crayon bleu. C'est énorme. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il déconne zéro, hein. Ah ouais, bah j'ai mis une pomme autour de la maison, voilà, sur le plan. Super. Bah je vais faire pareil. Ah mais ça, y a plein de monde ici, mais on peut pas bouger en fait. Pourquoi je suis trop lourd d'un seul coup? Ah bah ça... Si tu zoomes très fort sur ta carte, tu vois ton personnage en 3D. Ah bon? Ah mais ouais, carrément. Énorme. Je vais faire une annotation. Bon, est-ce qu'on a assez à manger là? On cherche Moi j'ai les patates moi. Ouais, j'ai des carottes. Et quelques patates aussi. Ouais, moi j'ai des tomates. Et plein de graines. Bon allez, on va continuer à chercher une voiture. On ouais, et ça a pas l'air d'être facile hein. Non. On en avait pourtant, pas trouvé du que... tout à l'est. Donc faut qu'on aille vers l'ouest maintenant. D'ailleurs l'autre
pas vers là où vous allez, quoi, en fait. Du tout. Après, bon, je sais bien qu'on a pas trop... Vous suivez Damned, mais... une maison, là, mais... voilà, j'ai retenu qu'il fallait suivre un casque, mais j'ai pas suivi le bon casque. Le casque rouge. Parce que nous, on a exploré sur la droite, on a rien trouvé. Ouais, il y avait que d'avoir une maison vide, mais... Et là, il y a un garage, non? Ah non, c'est pas... C'est une... Comment on appelle ça? On suit la route. On aura plus de chances de trouver des voitures, quand même. La vitesse de l'autre, là. Une gazelle, le truc. Ouais. Ah putain, c'est clair. Tu verras comment il saute les barrières et tout. Et moi, je le suis, je perds mon marteau, je me blesse. Donc, je vais regarder sur le parking de l'autre côté s'il y a des voitures. Je perds légèrement ma fouche. Il y en a une, il y a plein de voitures de l'autre côté. Vous pouvez sauter, c'est safe. Il y a une grande barrière en bois là? Ouais. Ok, on arrive. Voilà, ils arrivent maintenant par contre, parce que là ils vous ont entendu. Oui, bah ça va. Il y en a un au sud et deux, et plein vers le nord. Je vais faire celui qui est en bas. Essaye de regarder ce qu'on peut faire dans la voiture. Non, vas-y, gère-le, je gère la voiture. Ok, ça marche. Oula. Bon, elle est fermée visiblement. Est-ce qu'il a des clés lui? Pas de clés. Est-ce qu'il a des clés lui? Non, pas de clés. Tablier. Pas de clé. Il y a du monde là-dedans. Hein. Bah ouais, il fait du bruit, c'est chiant. Là sur la tête, elle. Un bandeau. Putain, en bas là, il y a un cadavre, mais genre c'est un squelette quoi. Il s'est fait, dévorer intégralement. Est-ce que le signe t'aurait aggro 7 ou 8 zombies? Non. Ah non, 4. 4, voilà. Aucune angoisse. Ah merde. Ah ouais, c'est... Ah, toi aussi t'as ce problème bizarre de genre tu te retournes là à moitié. Ça arrive, ouais. Alors, des clés de voiture, toujours pas. Inspection médicale? Non. Non, tout va bien. Ah. Là... on peut rentrer dans cette voiture, il y a une carte. Regardez la carte. Je suis mouillé. Oh, il y a plein de zombies en bas, mais ça tombe bien, il y a plein de voitures. J'en attire quelques-uns. Non, mais me suivez pas. Damned, recule. Je m'en vais. Oh Dieu. Voilà. Le catalogue qui devrait avec sa fourche. Voilà, parce que moi je vais en attirer moins que toi. Alors, si tu arrives à la même hauteur que moi, je comprends l'idée. Tu vas en attirer plus. Attention le signe. Ouais, j'ai essayé de sortir justement, mais ouais, bon, au final. Bon, je suis en train de mourir, hein, j'annonce. Regarde. Je me sacrifie pour la cause du coup, mais je les aggro un peu. Mais je vais crever. Hein. Oh merde. Bah, saignement. J'étais en train de me faire zombifier de toute façon, donc c'est fini. Le problème c'est que le mien il est effrayé tout le temps donc c'est... Derrière Tokatox. Ah bah t'as pris un truc qui fait qu'il a peur en extérieur ou un truc du style, non? Non, pas du tout, j'ai aucun malus. Ah. À part que je suis myope. Ah, je suis myope, c'est tout. Ah, comme il ça. A peut-être peur quand il voit pas les gens, ouais. Alors, ah, on dirait que de nouveau je peux pouvoir rejoindre, faut que je quitte. Si, ça y est. Parfait. Non, ferme-moi ça. Voilà. À chaque fois, je recommence avec mon petit truc de survêt là, tout sexy. Alors, il est où le signe? Attends, je suis dans une maison. J'en profite pour ramasser la bouffe du coup, hein, l'un dans l'autre. Médic. Oui, bien sûr. Voilà. Non, plutôt ça. Section médicale. Oh, c'est rien du tout, monsieur, tenez. Rien. Voilà, ça va aller mieux. Petite maison, hein. Merci. Télévision premium technologie. Parfait, mais ça m'intéresse pas. L'électricité volume 1. Oh oui. Il y a plein de trucs là-dedans. Les premiers secours volume 1. Métallurgie volume 2. Pas l'ouvrir malheureusement la porte. On peut la défoncer, mais bon. Faire de bruit. Bah, en tout cas, la zone est pas mal nettoyée. Pour le moment, ouais. Il y a fourche. Il y a le mec du McDo qui veut sortir, apparemment. Mais... Savon, toujours cette prune.
Il fait un petit peu noir. On se croirait dans The Soul Remain, quoi. Stay in the light. Bon, cuisine volume 1. Attention, j'ai vu quelqu'un partir et j'ai vu un zombie lui courir après. Ouais, ouais, c'est moi. Celui qui est en train de contourner le bâtiment. Ouais, c'est moi. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Tac tac, c'est dans la bagnole, c'est ça? Ouais. Tu te planques en attendant que le signe revienne? Non, non, mais je cherchais à voir s'il n'y avait pas les clés dans la boîte à gants. Pour voir. C'est dommage, hein, plein de voitures et rien d'utilisable. On va continuer doucement sur le parking. Ah, un sac à dos, ça c'est cool. Ah, ça c'est la classe. Bah, surtout pour looter la première maison que j'ai, quoi. Ah, mais pas une clé de bagnole, quoi. Je suis sûr que le chef là du burger, il a une clé sur lui, c'est pas possible. On peut pas. Oh, mais c'est là. Et le problème c'est que si je pète la vitre. Oh, et puis merde. Il y a plein de zombies qui vont arriver derrière toi. Hein. Derrière moi? Derrière Damned. Si tu pètes la vitre. Ah mais je suis sûr que le chef il a une clé moi. Ah, il a un tournevis. Ouais. Oh là là, l'électricité volume 2, mais oui. Oh, de la mayonnaise. La menuiserie volume 2. T'attends de quelqu'un? Bah, tu pourras toujours ramener, je pense que j'ai le volume 1. Par contre, ouais, faudra activer la lecture rapide, ouais. Ouais. Ketchup, mayonnaise, préparation pour sauce, tiens, ça je prends. Lecture rapide, c'était une compétence, non? Non, 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 on va mettre le serveur en lecture rapide. Ah. Parce que moi j'ai une compétence, lecture rapide. Cool. Ouais, mais du coup, justement, rien, elle est pas utile, ouais. Normalement, elle était pas censée. J'ai une clé de chevalier d'art, hein. Ah, parfait. D'art, et, sur le... et je me demande si c'est pas justement ce qu'il y a devant, là. Tu vois qu'il y avait un truc utile dans ce bâtiment, j'en étais sûr. Ok, j'y suis. Dis-moi qu'elle démarre. Oh, comment j'ai le petit. J'ai la clé! J'ai le petit raton laveur sur mon sac à dos. Et y'a de l'essence! Et y'a de l'essence! Téléporte-moi, non, Slan! Pas le moteur, nom de Dieu! Non, non, je regarde dans quel état elle est! Bah, elle est très très bon état en plus! Elle est parfaite! Téléporte-moi, Slan! Y'a des zombies! Non! Enfin, y'a un zombie de l'autre côté de la porte, c'est suffisant pour me faire flipper. Bah voilà! Merci. Allez, on a une bagnole! Regardez-moi ça! C'est une bagnole de place, mais c'est mieux que rien! Ah, c'est il y en a qui vont courir. Merde. Non, on peut aller à l'arrière. On peut aller à l'arrière. Bah... T'es sûr? Ah oui, c'est attends, bon. Oui, on peut aller à l'arrière. Voilà. La clé est sur le compteur, donc vous met quelqu'un peut libérer le passager? Alors attendez, comment on change de place? C'est avec c'est V et t'as le menu de la voiture. Ah putain, j'avais oublié. S'il y en a un qui se souvient comment on conduit. Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis barbouillé? Moi je peux conduire, hein. Moi j'adore parce conduire. Parce que t'es à moitié à poil alors qu'il fait. Bon bah tant pis. Il fait très frais. Bah oui, t'es non, attendez, tenu, je me remets un pansement. T'es pas fait déchirer tes vêtements par hasard? Si, si. Mais tout va bien. D'accord. C'est un problème. Ça y est, V, je me mets à l'arrière. C'est bon. Il reste une place. Ouais, y'a Katox qui est en train de marcher sur le mur. Et qui essaye de prendre ta place. Fais le tour, Katox. Voilà, j'ai mis de l'essence en fait. Ah oui, pourquoi? Mais y'en avait plein. J'ai remis. Le réservoir était presque plein. C'est bon. Est-ce qu'on va chercher ce qu'on a mis dans la maison avant? C'est-à-dire. Ouais. Il y a plein de trucs pour faire de l'agriculture, quoi. Moi, c'est l'essentiel. C'est une bonne idée. Bêche et autres. Et ben. Bêche, on avait déjà ça, je pense. Hein. Il y avait une pelle déjà. Pelle, on avait aussi. Râteau, des graines, des seaux, je les garde avec moi. Est-ce que je peux boire du ketchup? Ça va me servir à rien. Hein. Mais d'accord. Allez, en route. J'ai 3 bidons d'essence vide, tout est bon. Bah ouais, j'essaie d'utiliser la touche pour démarrer, mais ça démarre pas, donc j'essaie de comprendre. Ah. Démarrer c'est le bon, moteur, c'est censé être N. Ouais, voilà. Ah bah, faut s'y remettre, hein. Tu sais, c'est pour ça que j'ai laissé la place, clairement. Ok, je peux mettre le chauffage, ça c'est parfait. Ah, il y a les phares, on va se faire repérer par toute la ville, c'est bon. Ouais, non, mais je pense que
Je pense que je... Non, j'ai pas mis la touche pour faire, le klaxon. Laissez-moi faire. Non, mais je pense que je dois laguer encore, hein, parce que chez moi, les phares sont pas allumés, justement. Donc, à mon avis, chez, moi, chez nous, ils sont allumés. Ce serait pas mieux si c'est Slan qui conduit. Je sais que c'est bizarre de dire, mais... Non, je vais conduire. On a peu de problèmes de... Vas-y, toi, essaye, Katax. Vas-y, ouais, je vais conduire, moi. Alors, voyons voir. Mettre la clé sur le contact. Bah, voilà. Faut que je puisse re-rentrer, donc quelqu'un sort et me laisse aller derrière. Katox sort et laisse-moi aller derrière, ou va derrière et je vais à côté en passager. Moi je suis à l'arrière normalement. Bah voilà, ça démarre tout seul. Ouais non mais je pense que je dois laguer, je dois être désynchro. C'est bon Katox, je t'ai laissé la place. Parfait. Hola. Mais non, je vais tranquillement. Roule pas sur les cadavres, tu vas abîmer. Ah ouais, non mais moi je vois même pas la voiture bouger quoi. Ah d'accord, on en est là. Pour moi, on est toujours garé. Bah, ça va se mettre à jour, on va attendre un petit peu. Je suis désolé pour les viewers, il y a des petits lags. Je fais des à-coups. Voilà, tu tournes légèrement sur la droite, fais gaffe au plot. Elle est par là, je crois. Voilà, à gauche, ouais, par là. Heureusement que je conduis pas du coup. Parce que... Et première à gauche, tap. Doucement. Mais non, mais c'est pas possible, putain, c'est complètement planté. Moi, je suis toujours sur le parking, quoi. C'est abusé. C'est celle-là ou l'autre ? Ouais, celle-là, c'est pareil. Je vous invite à aller voir la vue de Slan pendant cette séquence, du coup. Voilà, tu peux sortir de la voiture. Top. Attendez, j'arrête le moteur, on fait ça proprement, parce que vous vous souvenez avant quand on sortait qu'on tombait par terre ? Bah voilà, c'est toujours pareil. Vas-y, arrête-toi, coupe le moteur, tu me dis quand c'est bon, je sors, on va voir où je suis. Tu peux sortir, c'est bon. Bah moi je suis pas tombé moi. Et bah je suis toujours devant les burgers. Quoi ? La voiture est toujours là. Y'a les clés pour ouvrir le coffre ? Attends, c'est moi du coup, mais... Ah ouais, non mais je suis tout seul du coup. Attends, je vais téléporter sur moi. Hein. Pourquoi pas. Non, je pensais quitter Decoroco, mais si tu veux essayer de me téléporter, vas-y. Mais je t'ai téléporté deux fois sur moi là. Ah ouais, non, bah je suis complètement désynchro. Hein. C'est pas grave. Tu prennes les clés et tout. Il faut aller ouvrir le coffre. Ça doit se faire de la voiture, je pense. J'y vais. Ouais, ou tu prends les clés et tu ouvres le coffre. Ouais. Bon, je voulais pas Decoroco pendant qu'on conduisait, mais maintenant qu'on est. Vas-y. Ouais. Hop là, c'est parti. Moi je vais aller boire un coup dans la maison. Je vais aller vider mon premier sac là parce qu'avec les bidons d'essence ça prend un poids bête. Par contre du coup, où est-ce que je vais être ? Ça a pas l'air d'être la bonne maison ceci dit. Ah si, elle est au-dessus. Ouais, c'est celle du dessus, oui. Et bah du coup je suis sur le parking du burger. Mais il y a plus la voiture. C'est bon, c'est parfait. Parfait, je suis là. Hop, on balance toutes les pommes de terre dans le coffre. Alors elle est où la voiture du coup ? Donnez-moi les. Elle est juste dans la truc du dessous. Ok. Alors, je te suis. Fais gaffe, il y a un zombie à tout nu qui te poursuit, Slan. Ça c'est fait. Alors du coup comment on fait le coffre ? Ouais ok c'est ça. Pof, je me fous les livres dedans. Pourquoi il y a un... Non, elle est déjà cassée ma poêle à frire, putain. Bon bah une poêle à frire cassée du coup. Si quelqu'un à tout hasard avait genre une petite arme ou un truc en rab... J'ai un vaporisateur. Il y a plein de trucs dans la cabane, mais je suis en train de les retirer. Ah je peux même pas tout mettre dans le coffre, il est déjà plein. Quoi ? Bah écoute, j'avais plein de livres à mettre et il me dit c'est plein. Voiture de merde. Hop. 22 sur 21, ah oui elle est même trop 22 pleine. 22 sur 30 moi je vois, 22 sur 30 ta voiture. Parce que la voiture ou le coffre. T'as pas pris le truc désorganisé ? Ah j'ai pris désorganisé, ouais c'est vrai, je vais voir moins. C'est pour ça que tu peux plus rien mettre toi. Ouais, c'est plein pour lui. C'est vrai que je suis désorganisé, exact. Je suis adroit, je peux remplir plus vite, mais par contre je suis désorganisé. Ah, du coup, il y a peut-être une arme à ramasser dans ce coffre là. Je peux te le redropper une hache sur le sol. Une coupe de jardin. J'ai une hachette sur le sol, tiens. Allez, là, on va aller regarder à l'intérieur de la voiture, hachette. Je crois qu'on peut ranger des trucs. Sur les sièges. Tu peux mettre des trucs sur les sièges, mais le problème c'est que vu qu'on est 4, ça marche pas quoi. Ah si, hein, tant pis, on y va, hein, y en a qui vont rentrer à pied. Hein. Dans la boîte à gants, tu sais.
Là, qui rentre à pied, qui ramène. Il faudrait ramener le four qu'on avait trouvé, mais c'était où ce four? C'était dans le. C'était dans la warehouse, non? Je crois que c'était la warehouse. Hein. Ouais, dans la warehouse. Le problème étant que il faut un truc qui puisse porter 50 et que je crois qu'on n'a pas un seul endroit à 50. 50, c'est chaud. Hein. Non, même le coffre. On va retrouver une voiture un peu plus grosse que ça. Mais bon, déjà, on a une voiture. Ouais. Une alarme, non? Hein? Non, t'entends rien. Quoi que j'ai entendu. Tant mieux. Non, non. Ok, on rentre. Let's go. Faut libérer le siège passager. Oui, non. Ah, Damned qui dit que son micro ne marche plus. On t'entend plus, Damned, effectivement, je confirme. Mais ouais, c'est très tu bien. Tu peux nous conduire si t'es chaud. Ça te détendra. Allez, on y va. Allez, juste, Bernard, au moment où il allait nous faire le klaxon, c'est pas de bol. Bon, déjà, là, on dirait que la synchro est mieux, j'entends le bruit du moteur cette fois. Excellent. Et là, je vois la voiture bouger. Alors, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est en arrière, très bien. Vous voulez quel artiste aller, hein. Parfait. Ah, mon perso vient de passer en panique. Gauche. Oh non. Je pense que vous voulez éviter les cadavres, mais que là c'était un petit peu tendu. Ouh, putain, c'est la Gamor. C'est pas la bonne route, hein. Voilà. Quelle réactivité. Ouais, parce qu'on avait traversé une forêt, gauche, donc. Gauche. Non, ça c'est non, gauche. Attention au poteau. Je suis pas sûr qu'on pourra traverser la forêt avec la voiture. Voilà. On va essayer de pas l'abîmer. Enfin, on. On le supporte mentalement. Oula. Ah, y'a du peuple, hein. T'étais pas là, le chemin? Non. Moi, je crois que c'était derrière, le chemin. Non, il faut continuer. Bah oui, il faut continuer, ouais. C'est toi qui nous donnais par la scène, de toute façon. Vous pouvez couper, là. T'es fou, couper à travers la forêt, ça va pas bien. Non, y'avait pas de forêt, là, y'avait un endroit où ils pouvaient traverser, y'avait pas d'arbre. Et ça va être là, maintenant. Voilà, c'était le... enfin, là c'est le deuxième. Ça c'est ça. Ouais, ça va être tendu de les éviter. Là c'est trop loin là. Non, il continue de traverser. Bien sûr que non, là on traverse la forêt, c'est bon là, nickel. Continue, puis tu prends la première à droite. Oula, parce qu'elle... Oh là là. Mais rien de ça, c'est quel artiste. C'est Damned qu'on va appeler Virage sur cette session. Ça dépend gauche. Comment on termine le voyage. Parce que j'ai bien activé les dégâts sur les gens. Hein. Vas-y, mollo, et ça va être dans ce coin-ci. Ça va être ouais, là, on est bientôt de retour. Ouais. Normalement, y a rien. Voilà. Tu peux monter plein nord. Hein. Y a rien du tout. Là, fallait aller à droite. Là. T'as raté. Là. Tour. C'est pas haut. Et là, on va arriver à notre nouvelle base. Tap, t'es trop. Stop. Ah, tu peux faire le tour, te garer à l'autre côté du bâtiment. Bah, tu peux surtout te garer dedans. J'avais pas vu. Il y a plein de voitures à côté de. Il y a plein de voitures ici. Allez, arrête-toi bien, enlève le moteur avant qu'on descende. Oh merde, ils se réveillent, les zombies. Ouais. Ah, ouais, putain, il y a des zombies qu'on repop. Lui là, toi, je te vois là. Okay. Allez, on ouvre la porte. C'est bon, tu peux rentrer. Ou pas, parce qu'il y a des caisses, on va plutôt passer par l'autre. Ouais, attends, je t'ouvre l'autre porte. Voilà. Attends, moi je m'écarte. La porte là, elle est ouverte. Oula. Ah non, c'est vrai que c'est des... J'ai plus de bouffe, c'est des... C'est des livres. Oula. Oh, c'est passé. Est-ce que les. Ah, t'as rentré la voiture. On repop à l'intérieur, hein, parfois. Eh ben voilà, on a une voiture dans la truc. Eh, y'a des zombies qui repop à l'intérieur, merde. Ouais. C'est pas cool. Ben, ça. C'est parce qu'on n'est pas encore tout à fait safe. Hein. Ah, là sont là les livres. La levure, non. Hop, les livres. Moi je vais.
Bon bah du coup, on va pouvoir arrêter cet épisode là. Te faire l'outro. Bah ouais. Et ben merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller regarder la vue sur la chaîne du Cygne Noir et on se retrouve bientôt. À plus tout le monde. Ciao ciao tout le monde.